Donc, bonjour et bienvenue dans ce troisième exercice d'application. Cette fois-ci, nous avons une ligne bifilaire sans perte avec une impédance caractéristique Z0 égale à 100 ohms, terminée par avec une charge ZL égale à 30 plus J 30 ohms, comme un exemple. Donc, on vous demande de réaliser une adaptation cette fois-ci avec un step en parallèle. Et déterminer tous les paramètres tels que la position du step T et sa longueur L. Donc, toujours la première chose à faire, c'est de calculer l'impédance réduite au normalisé ZL. Donc, l'impédance réduite au normalisé ZL est toujours égale à ZL, c'est Z0, cette fois-ci c'est 0,3 la partie réelle plus 0,3 G la partie imaginaire. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer la position du step D. Cette fois-ci, on doit représenter ZL, puis on doit déterminer l'admittance YL. Donc, on va représenter cette impédance. Donc, la partie réelle, c'est 0,3. Et la partie imaginaire, c'est plus 0,3. Donc, ce point-là, c'est ZL. Donc, après que nous avons déterminé ZL, on va tracer le cercle d'impédance dans le centre IA et le rayon ZL. Maintenant, on doit déterminer YL. YL, c'est quoi? C'est le point symétrique de ZL par rapport au centre A. Donc, pour cela, on va déterminer YL. Donc ce point-là, le point d'intersection, représente le point et représente YL. Donc, l'admittance de la charge. Donc, après la détermination de YL, on doit déterminer donc, le point d'intersection entre YL donc le cercle YL et le cercle D. Donc, le point d'intersection, c'est ce point-là. Donc, on va tracer ce segment-là. Donc, on va déplacer de YL dans le sens positif, c'est-à-dire de la charge vers la source, donc le premier point d'intersection est ce point-là. Donc, la distance D donc, cette distance-là c'est la position de YL. Donc nous avons démarré de 0,32 jusqu'à 0,328. Donc le point de départ c'est 0,32. Le point d'arrivée c'est 0,300. Donc on va retourner vers le schéma. C'est à peu près 328. Donc 300,28. Donc dans ce cas, on veut faire la soustraction. Si le point d'arrivée c'est 0,328 moins 0,332. Donc on va avoir une valeur
Donc on va avoir une valeur de 0,0 0,008 lambda. Donc la position de step c'est 0,08 lambda. Donc cette position là, la distance, elle représente la position du step. Donc maintenant, pour déterminer la valeur de la longueur du step, donc on va lire la partie imaginaire qui passe par ce point-là, le point d'intersection. Dans notre cas, c'est à peu près 1,4. Donc, c'est moins 1,4 puisqu'il est dans la partie inférieure. Donc, le point opposé de ce point-là, c'est 1,4. Donc, cela, le point. Notre point C prime. Donc on va tracer ce segment-là. Donc cette fois-ci, ce point, puisque nous sommes avec les on travaille avec les admittances et pas avec les impédances, donc ce point-là va représenter le circuit ouvert et ce point-là va représenter le court circuit. Donc, L pour un circuit ouvert, donc cette distance-là, donc toute cette valeur-là représente L circuit ouvert. Donc, toute cette distance en déplaçant de là, de 0 jusqu'à ce point-là, représente la longueur d'un step en circuit ouvert. Donc, on va déplacer le point de départ 0, le point d'arrivée c'est 152. 152. Donc, on vient là, un circuit ouvert. Donc, le point d'arrivée c'est 0,152, le point de départ c'est 0, donc on va avoir une valeur de 0,152 lambda. Donc ça c'est la longueur d'un step en circuit ouvert. Maintenant, pour déterminer la valeur du step en court circuit, donc on va démarrer de ce point A jusqu'à ce point-là. Donc on va tracer toute cette longueur. Donc on va démarrer de là. Attendez. Toute cette longueur, on démarre de là, de 0,025 jusqu'à 0,5, puis de 0 jusqu'à 152. Ça, c'est la longueur. Donc, ça, c'est L pour circuit. Donc, toute cette longueur-là, donc toute cette longueur-là, elle représente L court circuit. Donc on va démarrer de 0, le point de départ c'est 0,25 jusqu'à 0,120 152. Jusqu'à 0,152. Donc,
Donc, lors de ce déplacement, on va passer par le 0. Donc, la longueur totale, c'est de 0,25 jusqu'à 0,5, puis de 0 jusqu'à 152. Donc, là, la longueur en court circuit, elle sera de 0,25 jusqu'à 0,5 plus la longueur de 0,152 multiplie le tout par lambda. Donc, je vais répéter. Donc, je vais démarrer du court circuit qui est 0,25. Je vais passer par le 0. Donc, ça, c'est 0,5 moins 0,25. Plus la deuxième partie qui est 0,152 à moins 0. Donc, la somme des deux valeurs. Donc, je vais avoir 0,25. Je vais avoir 0,25 plus 0,152. Donc, la valeur finale égale. Donc, la valeur finale, c'est 0,25 plus 0,152. Donc, la valeur finale, c'est 0,4. 2 lambda. Donc là, la longueur du step pour un court-circuit, c'est 0,402 lambda. Donc, comme ça, nous avons déterminé tous les paramètres liés à cette adaptation. Donc, pour le step en parallèle, on doit utiliser les admittances et pas les impédances. Donc, merci pour votre attention.